de bâtons d'encens sont brûlés chaque jour dans le sanctuaire bouddhiste comme celui-ci sur la rive du fleuve Mekong en République démocratique populaire Lao. Ils sont fabriqués à partir de l'écorce de l'arbre bang, arbre populaire en Asie du Sud-Est. Les arbres bang étaient autrefois abondants, mais la surexploitation a menacé leur existence. En 2008, le gouvernement du Laos a déclaré que l'arbre bang risquait l'extinction. En réponse, un projet soutenu par le Fonds international de développement agricole, ou FIDA, a encouragé les villageois à faire pousser des arbres bang comme culture commerciale. Canon appartient au peuple Paco, une tribu de 17 000 personnes vivant dans une région montagneuse isolée près de la frontière vietnamienne. Les Paco sont parmi les personnes les plus pauvres de la nation. Jusqu'à récemment, nombre d'entre eux vivaient du troc, rarement utilisant de l'argent. Pendant des siècles, ils ont survécu grâce à une agriculture de subsistance, faisant pousser leur aliment de base, le riz, sur les coteaux en utilisant la méthode d'abattage et de culture sur brûlis. Lorsque la terre est épuisée, ils vont ailleurs. Mais maintenant, pour la première fois, les Paco ont reçu des certificats fonciers permanents et ont été convaincus de rester sur la même parcelle de terre et de cultiver le riz à côté des arbres bang. Après 7 ans, un hectare d'arbres bang peut générer un revenu annuel d'environ $1 million. Une fois récoltés, ils sont exportés vers le Vietnam voisin. Les arbres produisent de l'écorce jusqu'à 50 ans. Et peut-être le plus important, le terrain est protégé d'éventuelle exploitation par des sociétés étrangères puisqu'il est enregistré définitivement à leur nom. Les Paco ont maintenant suffisamment de nourriture pour leur famille. Et avec une alimentation plus saine et un revenu régulier, les agriculteurs pauvres comme Can Non sont maintenant en mesure de construire un avenir plus sûr. Le FIDA fournit maintenant des installations de traitement pour la production d'encens au Laos afin de garder les profits générés dans le pays où l'arbre bang pousse. Ce reportage a été produit par Declan McCormack pour les Nations Unies.